Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Magali. Et aujourd'hui, je vais tester pour la première fois le fameux masque d'argile verte avec mélangé avec du vinaigre de cidre. Oui, c'est ça. Donc, ce masque va me servir de redéfinir mes boucles et aussi de détoxifier mes cheveux. Donc, on va tester. J'espère que ça va marcher. Pour cela, j'aurai besoin de ce fameux produit que tout le monde connaît. Vraiment abordable et qui fait des merveilles. Moi, je l'utilise souvent pour le visage, pour assécher les boutons. En fait, j'utilise souvent, mais je me suis dit, je l'ai et pourquoi est-ce que j'ai jamais testé sur mes cheveux? Donc, c'est ça que je vais faire aujourd'hui. Donc, vous aurez besoin de votre poudre d'argile. On dit ça comme ça, poudre d'argile. Vous aurez aussi besoin de votre vinaigre de cidre. Et aussi une bouteille, un flacon en fait, quand je dis une bouteille, un flacon ou bien un pot. En fait, ce que vous allez faire, vous allez mélanger les deux et si vous pensez que le vinaigre est trop imposant pour vous, vous allez rajouter un peu d'eau. Et on a vraiment besoin, donc pour cela, on a besoin que la texture soit pas trop, pas trop épaisse. On veut une texture homogène et assez fluide, assez liquide. Donc je vous montre la texture que j'ai moi, c'est ça. Donc assez fluide, voilà, pour que ça pénètre bien en fait sur le cheveu. Voilà. Donc on va commencer. Voilà la texture que j'ai pour l'instant. Mes cheveux sont très secs pour l'instant. Voilà, ben on va commencer. Si vous voulez, vous pouvez aussi utiliser des gants, mais j'ai pas envie d'utiliser des gants. Donc, et alors là, on veut vraiment que ça pénètre bien dans le cheveu. On ne veut pas que ça reste seulement à la surface. En fait, j'ai pas de miroir en fait. Devant moi, j'ai pas de miroir, donc c'est un peu compliqué. Et aussi, j'ai vu qu'il fallait vraiment aussi le mettre sur le cuir chevelu. Donc voilà, c'est ça que je suis en train de faire. J'en ai plein sur l'oreille. Voilà ce que je vais faire sur toute ma tête. Et je reviens dès que j'ai fini parce que là, j'ai pas de miroir. C'est un peu désordre. Comme vous l'avez vu, ce côté est un peu plus saturé que ce côté-ci. Parce que je n'en ai pas eu assez en fait, mais sinon ça me dérange pas du tout. Voilà, donc je sais pas trop quoi dire en fait. Je pensais vraiment, je pensais que ça allait un peu plus, je sais pas, redéfinir mes boucles, mais non, j'ai pas, je vois pas de différence en fait. Peut-être de ce côté. Hein. Peut-être de ce côté, peut-être qu'ici j'en ai mis un peu trop. De ce côté, ouais, mais même.
si j'avais des cheveux gris, vous voyez? C'est trop marrant. Donc je vais laisser poser pendant 30 minutes et après je vais rincer. Normalement, j'ai pas besoin de shampoing, mais j'aime le shampoing sur mes cheveux, donc je vais en mettre un peu. Je vais voir en fait. Je vais voir. En fait, ici j'avais rajouté un peu d'eau sur dans le masque et j'ai constaté. Donc j'ai constaté qu'ici mes cheveux sont un peu plus définis. Donc je pense que la prochaine fois que je referai ce masque là, la texture sera très, je ferai une texture très très fluide. Si j'ai pas, bon, j'ai pas vraiment, j'ai des boucles quand même. Donc je cherche mes boucles, je vois pas bien là devant. Donc regardez, donc ça donne ça en fait. Mais ici vous voyez quand même mes boucles, vous voyez, mais ici vous les voyez pas beaucoup. Je vais aller me rincer les cheveux maintenant. Bye. Sinon pour les boucles, sincèrement, j'ai pas vraiment vu beaucoup de différence. Ouais, j'ai pas vraiment, je sais pas, c'est vrai que j'ai remarqué mes cheveux de derrière sont un peu plus définis, les boucles sont un peu plus définies, mais à part ça, j'ai vraiment pas vu beaucoup de différence. Mais par contre, mes cheveux sont doux, mes cheveux sont mous, mes cheveux sont... Voilà, j'ai des cheveux très épais, crépus très épais, type 4C. Donc voilà, mais ils sont super doux et je n'ai rien mis pour l'instant. J'ai juste mis, quand je me suis rincé les cheveux, j'ai mis juste un peu de shampoing hydratant. Mais sinon, c'est pas ça. Je connais le shampoing que j'utilise. Non, mes cheveux sont vraiment doux. Donc je suis très contente d'avoir essayé ce masque. Je vais encore essayer, je vais peut-être pratiquer une autre technique et je vais voir si c'est vraiment si c'est vraiment quelque chose que je dois faire une fois par mois. Mais sinon le process est terrible, hein. C'est trop, c'est un peu pagaille partout, mais j'aime bien le résultat quand même parce que mes cheveux sont vraiment, quand je dis mou, mes cheveux sont doux, sont vraiment waouh. Je suis super contente. Donc, je vais finir ce que j'ai à faire avec mes cheveux. Sinon, on se retrouve sur une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous. Bye bye!